Et salut à tous, bienvenue pour la suite du Let's Play Xenoblade Chronicles au village frontière. Donc le village frontière, c'est le hub des Nopons, les petits personnages là comme vous voyez, qu'on voit un petit peu partout dans le jeu. Cof, cof, trop de poussière de pollen, poussière partout sur visage, quand est poussette lame pollen. Peau toute irritée, besoin masque pour apaiser, trop dur. Voilà, donc on a pas mal de... Ceux qu'on masque un macna, c'est parce que peau irritée. Tout le monde sait ça. Voilà, donc c'est un immense village, hein, ça s'étend sur pratiquement, enfin pas 10 étages, mais presque. Homs très fort arrivé jusqu'ici. Macna regorge monstre costaud même pour guerrier nos ponts. Juste imaginez traverser Macna, tremble d'effroi. Ouais. D'accord, donc c'est un peu un peuple de petits bouleux. C'est pas des gens très courageux, comme leur allure le laisse penser. Ma chérie Pone croit notre mini-pont devenu délinquant. Beaucoup surveillé, mini-pont, courir partout. Bon exercice pour bonne santé. Mon mini-pont juste de l'autre côté de mare d'objets sacrés. Pensais sortir sans être vu. Non mais, mini-délinquant. Ouais, c'est un mini-délinquant. Tout est mini ici en fait. Hein. Et donc on arrive le vendeur d'armure. Alors déjà, ce qu'il faut faire, c'est... là, on a des... On a ces trucs-là à acheter. Un peu d'argent pour acheter tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre juste deux vestes. Une pour Shulk et une pour Rain, lui va garder la sienne. Une pour Shulk, une pour Charla. Et puis deux pantalons. Pareil, un pour Shulk, un pour Charla. Et Rain, il va garder son matos. Et voilà. Après, on va voir si on peut... vendre du matos. On a bien un peu de matos à vendre. Genre tout ça là. Voilà, on a vendu pas mal de trucs. Non, pas assez, pardon. On va vendre aussi, ben... Des coiffes, y a pas de raison. Voilà. On a deux vestes en lierre, un haut de macna. Ok. Voilà, on va vendre ça aussi. Tout ça, ça va nous donner... un petit peu d'argent. Pour pouvoir acheter éventuellement tous les grimoires. Non, il y a encore des choses à vendre, je crois. On va voir aussi dans... Ici, si on n'a pas... Voilà, on a pas mal de choses à vendre aussi ici. Donc tout ce qui ne brille pas, on va le vendre. Hein. Ça n'a pas d'intérêt, on peut le vendre. Et voilà comment on va se faire un maximum de pépettes. Il me semble qu'ensuite tout brille, ouais, donc c'est bon. C'est bon.
Et donc, les grimoires, comme c'est les grimoires du Héropon, vous allez voir bientôt qui c'est le Héropon, on va pas les acheter tout de suite. Ok, bon, lui c'est un cuistot. Alors ils nous disent pas mal de... C'est important de leur parler parce que ça met à jour le sociogramme. Quel attrait irrésistible. Voilà, vous voyez à chaque fois mise à jour du sociogramme en fait. Et ici on a un petit... On a le souterrain. On a même un sous-sol. Village intéresse Homes Homes. Alors essayez vivre rivière. D'un côté mène impasse, mais autre côté mène la sortie. Voilà, le dépôt souterrain. Tati chante comme vieille casserole. Peut plus supporter pollution sonore. Ok, donc ici, pas grand chose à voir. En passant par conduit ici, possible d'atteindre l'étang dehors. Nage, nage, pouf, paf. Ok. Si tu nous le dis. Donc il y a un conduit. Alors il y a des quêtes là-bas. Et donc il y a ce conduit-là qui mène à l'étang dehors. L'étang dehors, ah oui. Le réservoir d'eau. On est en pleine nuit maintenant. Et on a des petites choses à aller chercher au fond. Donc c'est important d'aller y faire un petit saut. Et on a même des gens pour nous parler. Ah Didi. Vent souffle très fort aujourd'hui. Pas ici, tout en haut de l'arbre. Ouais, d'accord. Ok, donc on a à nouveau mis le sociogramme à jour. Et je vais vous montrer ensuite ce que c'est le sociogramme. Retour au dépôt souterrain pour continuer l'exploration. Difficile se battre contre gros monstres ou monstres volants. Nos ponts utilisent enchaînement si combat monstre comme ça. Bon, c'est pour rien dire, hein, mais voilà. Joli ballon brillant, bêtement perdu. Aime bien taper d'un ballon tout le temps, puis pouf, disparu. Si crevé, c'est catastrophe. Retrouvé, pris Holmes, Holmes. D'accord, une petite quête, il va falloir aller chercher le ballon du jeune homme. Surtout pas serrer trop fort, ouais. Ok, ok, ok. Voilà, des quêtes un peu niées, hein, quête FedEx. Suis couvercle Nopon, assois sur caisse pour bien fermer. Pas beaucoup Nopon qualifiés pour, avec certificat couvercle, savez? Non, je savais pas que ça existait. Tu nous l'apprends. Et on est à la cantine Nopon. Faut savoir qu'ils mangent beaucoup les Nopons. Hein. Non, non, trop dangereux ici. Imprudent emporté par l'eau, jusqu'aux racines, tout en bas. On peut pas descendre, ok. Et donc il y en a un dernier là, un goinfre Tati. Ah, te. Daddy Brebarmiam, te. Gros guili dans gorge. Ok, il va se faire des guili dans la gorge avec son miam miam. Qui m'étonne aussi haut? Petite Nopon ne peuvent pas atteindre. Ouais, voilà. Tous à la cantine. C'est des goinfres en fait, hein, les Nopons. Et donc là, c'est peut-être un autre endroit qu'on n'avait pas encore vu. Tati chante comme vieille casserole. Peut plus supporter pollution sonore. Si, si, si. Si on avait vu cet endroit-là. Ok, on venait de là, en fait. Voilà. Et donc, nous revoilà au rez-de-chaussée. Alors qu'il y a 8 étages à parcourir. Autrefois, voyager, colonie 6, triste savoir attaqué par Mekon. J'ai vu un point d'exclamation quelque part. Ouais, là. Quelqu'un a une quête pour nous. Alors, faut pas les manquer, les quêtes. Hein. Et Estomac crie famine. Entendez? Chi, écoutez bien. Famine. C'est un véritable problème. Ça ressemble à un problème, oui. On pourrait faire quelque chose. Tu crois, Charla? Très bien, écoutons. Choudaine envie de champignons.
trouvez 8 champi-algues dans la jungle de Makna. Vous cherchez délicieux champignons pour Kofoku ? Quand Minipon, Kofoku vous champi-algues à Makna. Aimerait-on goûter ? Aimerait goûter. 8. Réjouis d'avance. Aucun problème, je m'en charge. Allez tout le monde, faisons de notre mieux. Pour les bleus et les écorchures, j'ai la trousse de secours. Merci Charla, on compte sur toi. Ok. Donc on ira chercher des champi-algues. Danse, danse, danse. Danse coup de tête. Pas léger comme moi, très important pour bataille. Friandise goûte si bon qu'épicé, pas grave. Produit d'un dur travail critiqué devant propres yeux. Estomac noué par énervement. Voilà, et l'idée là c'est de tous leur parler, hein. Il y a une bande de lascars là. Ban, inquiet pour Avenir Village. Homes étrangers, alors savent peut-être pas, mais... Homes, vu nos ponts un peu partout sur Bionis. Nos ponts qui partent du village reviennent rarement. S'ils continuent, que deviendra village? Village pas très attrayant. Si ça continue, bientôt nos ponts tous partis. Vivre avec nature de Makna, c'est tradition des Nopons. Cette tradition a peut-être freiné le développement de Nopons. Nopons d'aujourd'hui doivent penser futur Nopons de demain. Village besoin technologie homes et tête à plume. Sinon, Nopons bon qu'à être mignon. Eh ouais. Eh ouais, les Nopons. Effectivement, ils sont plutôt mignons, y a pas à dire. C'est un peu les Ewoks de Xenoblade Chronicles. Et voilà, et donc, vous allez voir qu'un petit peu plus haut, même si village bien éclairé la nuit, tout le monde dort. Mieux pour la santé, suivre au rythme soleil. Voilà, on va commencer à avoir une vue sympa là, mais voilà, ça monte très très haut. Très 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 haut. Vie revolte encore. Oh tête, ça tourne, tourne. Aime trop patate rôtie, mais peur brûlée dans la bouche. Voudrais bien goûter patate fraîche des Homes. Brûle pas patate fraîche, parce que fraîche, compris? Voudrais tellement goûter. Mais allez, on va te trouver des patates fraîches. Vais ramasser feuilles mortes, vous attendrez ici. Ah, ils ont de ces sacrées occupations. Froid, mais des lipons. Ok, impeccable, on les avait déjà trouvés. Parfait. Et donc, il y a à chaque fois plusieurs voies pour explorer. Vous voyez qu'on aurait pu passer de l'autre côté également pour grimper. Et qu'on a peut-être du coup raté quelque chose par là-bas. Allez, on va redescendre là parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Il y a une petite maison là-bas. Je me demande si c'est pas un marchand ou un truc comme ça. Si, c'est un marchand. Alors Mehdi, aucun patient aujourd'hui, vous voyez? Voilà qui n'est pas plus mal quand on y pense. Et l'armurier. Alors qu'est-ce qu'il nous propose l'armurier? Ah, donc il a des... Gardard lourd. Il a l'air pas mal ce petit gardard. Mais il faut surtout qu'on achète tout ça là. Parce que c'est des manuscrits qui n'ont pas été utilisés. C'est ceux de Charla. Donc on les utilisera tout à l'heure. Voilà. Il nous reste plus que 2200 guildes. Ben, je crois qu'on pourra rien acheter de plus. Donc on reviendra acheter les manuscrits Nopon.
palier de la réserve. Réserve de pollen. Oui, là il y a du pollen. Usine de pollen s'arrête jamais, alors réserve non plus. Peu, bien besoin, petite pause. Ah oui, c'est vrai que c'est fatigant. Comme boulot, comme on vous comprend. Comme je répète, hein, il faut bien faire attention à parler à tout le monde. Des débats. Ban et jeune Nopon, plein d'avenir. Ban très prometteur, des débats plein d'espoir. Et donc on aurait pu arriver d'ici tout à l'heure. Et là ce qu'on va faire, c'est que on va monter. Alors comment on monte ici là? Fais des torches avec orbe bien frais. Toujours mieux, bien frais. Le palier résidentiel. Là, il y a du monde. Très rare de voir Holmes dans le village. Première fois. Un vrai de vrai. Très raffiné, hein, c'est vraiment hyper détaillé comme comme décor. Là, vous pouvez voir la vue qu'on a sur le village Nopon en entier. C'est pas mal, c'est joli. Et donc on a une petite allée qui va vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Un Nopon. Jetez un œil là-haut déjà. Étendu d'eau tout là-haut, c'est la mer d'Eris. Ouais, il nous dit que au-dessus de nos têtes, c'est la mer d'Eris. Et c'est bien vrai, vous allez voir quand on va arriver en haut. Renaud. Bon ami de Renaud goûte toujours bonbon de Renaud. Ami Renaud a palais délicat, alors opinion importante pour Renaud. Impose critère de qualité drastique pour bonbon. Pourquoi on appelle les têtes à plumes des têtes à plumes? Ben, c'est pas trop à vrai dire. Jamais réfléchi à ça. Bon, elle nous dit rien d'important, hein, mais il faut leur parler. L'usine à pollen. Pensez bien à améliorer vos arts. Important pour combattre. Si vous trouvez grimoire dans boutique, achetez vite, vite. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que ça coûte très très cher les grimoires, monsieur. Au début, orbe toujours jaune. Ensuite, coloriage des orbes a lieu là en dessous. Ok. Un peu de culture de Nopon. Surveille si pas de bêtises avec roue. Travail dur avec roue nécessaire pour faire orbe. C'est quand même des petits joueurs. Hein. Et, ah ouais, tiens, il y en a un qui court là. Pfff, ah, tourne bien la roue. On est dans les gambettes. Et ça, d'où ça vient? Faites bien attention si dépassez le tampignon. Plus de balustrade par là-bas. Donc il nous dit que si on saute là, voilà. On saute à l'eau en fait. Donc on va pas le faire. Là-bas, on y était tout à l'heure. Ok. Donc on va monter. Monter, monter, monter. Alors il y a un tête à tête, mais je pense qu'il n'est pas accessible. Ouais. Il n'est pas accessible. Voilà, c'est les tampignons, ces trucs-là, là. Qui donnent le temps pour manger. Holmes, Holmes, voit cette maison. C'est maison Héropon. Bricourt, Héropon et Nopon, incroyable. Dans certains sens, incroyable, mais vrai. La maison de Ricky, donc la maison du Héropon. Retenez bien ce nom, Héropon. Un autre tête-à-tête.
C'est un tableau, hein, une grande map qui représente tous les personnages de Xenoblade Chronicles par lieu en fait. Et donc ici on a par exemple Gowago, Adidi, là on a les gens du village Nopon. Voilà, Mehdi, Kofuko, en vert c'est les gens du village Nopon. Ça, je sais plus c'est où, c'est la colonie 9. Ouais, c'est la colonie 9. Là, c'est la colonie 6. Là, c'est le village frontière, village Nopon. Voilà, et donc on doit développer des liens, comme par exemple entre eux. Entre ces deux-là, entre Ban et des débats. Voilà, mais c'est pas pour maintenant. Là, donc. On est au palier scientifique. Attention, Holmes, beaucoup de ptérix dans le coin ici. Inverse de crotte sur tête, Holmes, aurait averti. Modamo entraîne nos ponts du village. Coach Modamo oriente élève vers carrière héropont. 80% de réussite. Donc il y a des escaliers pour chanter, pour aller plus vite. Nous, on va passer à l'intérieur, parce qu'on a besoin de découvrir l'intérieur. Trop froid dehors, regarde étoile à travers trou. Étoile si belle sur la mer d'Eris. Transparente comme cristal pur. Ouais, ici rien de spécial. Ici on a des quêtes. Je suis meilleur pêcheur de village. Mais grand malheur, perdu hameçon, fait maison. Vous l'avez utilisé pour pêcher gros déno. Où les passer? Ouais, donc faut trouver l'hameçon à Denos. Ouais, on va s'en occuper. T'inquiète pas, jeune homme. On va s'occuper de ton hameçon. Enfin, j'espère qu'on va réussir à le trouver, parce que c'est pas toujours... Il faut le trouver dans le village frontière. Le village frontière, c'est un peu le gros bordel. Mais qu'on envahit tout Bionis entier. Marchands de pont font leur mieux pour éviter. Homs aussi ont peur des mécons. Bah non, nous on les combat plutôt. Le centre archéologique. Plus de pollen, plus de pollen. Champ de fleurs jaunes dévastés. Faute à l'horrible bidule dodu rampant. Homs ont corps d'athlète surentraîné, vont dire deux mots. Éliminer Bluco le cagnard. Grosse chenille sort que dans noir pour dévorer les champs de fleurs. D'accord, donc c'est la nuit. Lumière de jour picote les yeux. Brouh, fait vomir rien que penser. Ok, on va s'en occuper, t'inquiète pas. Et par ici. Si jolie, tellement très charmante. Fourrure rose et petite pommette rose bonbon. Loupa. Ils sont amoureux, hein. Venons de créer association à la gloire de Loupa Jolie. C'est club gloire à Loupa. Alors, on peut aller soit par là, soit par là-haut, au choix. On va aller par là, tranquillement. Palier résidentiel numéro 2. Y aurait-il du monde à qui parler? Auto câlin, c'est surtout preuve, auto amour. Câlin meilleur pour chéripon ou mini-pon. Quelques quêtes encore. Tout seul le soir, déprime. Animaux domestiques fortement recommandés. Renard cendré, attrapé? Eh ben allez, hop. Besoin 4 jolis renards à câliner. Homs les trouver. Voilà, on les avait déjà trouvés, donc tant mieux. Alors, il y a quelque chose dehors. Voilà, ça s'amène à un petit peu plus bas à l'escalier qu'on avait vu. Là, je pense qu'on n'est pas loin maintenant du sommet. Hein, si j'ai bien compris.
Ici, c'est la maison du chef, il me semble, de Dunga. Holmes maintenant apprendre. Ultime secret, Nopon. Suspense. Nopon peut parler animal. Impressionnant. Holmes, très rare ici. Holmes vient d'où? Il nous demande d'où on vient. Résidence du chef. Donc c'est la résidence de Dunga, donc on n'est pas loin du sommet. Holmes vont vraiment partir à Mer d'Eris? Mer vraiment très gigantesque. Holmes, faites attention, sinon chemin perdu. Voilà. Quête du villageois. Ah oui, le ballon qu'on cherchait. Voilà, il était là. Et donc, il y a quelqu'un qui parlait ici. Scrognepon de Scrognepon. Veux pas me faire manger. Voilà, il me semble que ici on était déjà. Oui, c'est la maison du héros pont. Ok, donc on y était déjà allé. Si grimper, c'est résidence du chef. Si descendre, c'est centre archéologique. On sait des choses. Hein, oui. Bon, ok. Et nous, on venait de là-haut. Renaud offert à Pépé bonbons délicieux. Papa tout mangé pour petit déjeuner. Là, on était allé voir aussi, il me semble. Donc voilà, maintenant. Là, la peau, on lui avait parlé. On peut jamais savoir quand chef Dunga fait prédiction. Faut toujours quelqu'un à côté. Travail de l'oreille du chef. Et donc, on est au sanctuaire sibyllin. Et donc, on va y rencontrer l'ami Mélia. À qui on va parler tout de suite. Mélia, tu peux venir avec nous si tu veux. Est-ce que tu es toute seule? Et tes compagnons? Je dois arrêter cette chose. Je dois le faire pour ceux qui sont morts. Le Télessia est blessé et se repose. C'est cette fille qui l'a blessé. Là, c'est Shull qui se souvient des paroles d'Alvis. Blessé par une fille, tu veux dire que tu veux affronter le Télessia? Comment savez-vous pour le Télessia? Je me suis fait attaquer par des Télessia pendant que je cherchais des cristaux. J'ai réussi à les battre, mais... Vous avez battu des Télessia. Mais qui êtes-vous au juste? Monado, c'est cette épée. C'était plutôt des rejetons de Télessia. Le vrai Télessia récupère de ses blessures quelque part dans la jungle, m'a-t-on dit. C'est toi, n'est-ce pas, celle qui a blessé le Télessia? Mélia, le Télessia s'est échappé de mon royaume. Je l'ai suivi jusqu'ici.
Il ne peut pas rester en liberté, pour le bien de mon peuple et celui des Nopons. Nous pouvons t'aider, si tu le désires. Est-ce de la pitié? Non. Alors pourquoi? C'est juste que... Vous avez perdu votre langue? Parlez. Je voudrais t'aider. Qu'avez-vous à y gagner? Je nous ai vus nous battre ensemble au sommet d'une tour noire contre un fascia. Je t'ai aussi vu te battre contre un énorme Telesia. Je sais, ça surprend au début. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Shulk a des visions du futur. Du futur? Et vous pensez que je vais vous croire? Crois ce que tu veux, va. J'ai comme une sensation de déjà-vu. Oui, tu m'as dit exactement la même chose. Ah ouais. Si on est arrivé jusqu'ici, c'est grâce aux visions de Shulk, en tout cas. Si tu es apparu dans une vision de Shulk, c'est que tu dois être importante pour nous. D'autant plus si tu es assez forte pour affronter un fascia. Je suis d'accord, et puis une dame ne devrait pas aller seule sur le champ de bataille. Je suis parfaitement capable de me charger de la bête, je n'ai besoin d'aucune assistance. Ma chère, je n'ai pu m'empêcher l'écoute de votre conversation. Leur offre sonne raisonnable. Ce n'est pas seulement notre village en danger, mais la jungle de Makna entière. Nous vous assisterons avec un grand guerrier. Oh ! Attention ! Chef Dunga ! Pas besoin de merci. Il est légal, si ce n'est le meilleur d'un Homs Homs. Plutôt si ce n'est le meilleur qu'un Homs Homs. Vous savez qu'on écoute là, hein ? Le jeune héros pont vous attendra en bas. Je vais aller le préparer. Au revoir. Un héros Nopon, il faut que je vois ça. Ne te moque pas, voyons à quoi il ressemble. Ok. Bon bah les amis, on va se quitter là. Et puis on va se retrouver. On va se retrouver pour aller voir qui est ce fameux héros pont. Voilà, voilà. Bien à tout de suite ou à dans pas très longtemps pour la suite des aventures. Merci. See you guys.